À la suite de l'inauguration de la maison du Fouta, autrement dit Soudoubaba à Conakry, une journée culturelle a été organisée à l'honneur des présidents de Tabital Poulakou, Jeunesse Internationale, et celui de la Coordination Nationale des Foulbé et Hali Poulard de Guinée. C'était ce samedi 24 décembre 2022 dans l'enceinte du stade Général Lansana Conté de Nongo. La rencontre a fortement mobilisé la communauté des Foulbé et Hali Poulard de Guinée et de plusieurs pays limitrophes. L'union sacrée entre les fils de Guinée, particulièrement les Foulbé et Hali Poulard, c'est la volonté de celui qui dirige la Coordination nationale des Foulbé et Hali Poulard de Guinée. Derrière cette idée, Elhaj Ousmane Fatako Baldé aspire une union des Foulbé et Hali Poulard des pays limitrophes avec la Guinée à l'image de la Mano Riva Union. On a tigé, et tambitagol mobi bedo bengi don andi ko hondu mi mari ko mi wolana jamaa ko mi do welti ni jamaa on tawde hebe hettani notagol noddandu coordination on plus particulièrement ben Ousmane Fatako arai ko mi toroto lagine ko portal ko message don mi jonnata. Mais le yogi du Japon est là, c'est joy. Arrête, fais notre comme il y a autant de confus. Confus au mot du comme il y a chana. Bipé en ben et bipé la Guinée ben. Comme il va la voir dans des coordinations. Comme footingol bipé la Guinée ben. Guerra paix sociale on en a bien développé. C'est à vie d'un wadi. Leji din di fo majji fore e futa bas gine e hot gine haram fo jonnindira e juude jogito lagine no haniri non ko hondu wadi adi hande e duuɓi no feƴƴi ɗo ko won laamu ngun ko wonno ko dirijugol population. Si tu as la mauvaise question, tu as dit que 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 tu opérateur économique mi sensibilisabe. Fii no ɓe wawira waɗude golle fewuɗe nafayde leydi ko waɗi mi waɗi duuɓi nogay e goo ka chambre de commerce miɗo andi nawnare lagine nden miɗo andi nawnare population guine on ko ɗum mi faala ñawdude yeru o komi wawi iɗon andi manori bayini on en taw gouvernement feccuɗo on no jogiti ɗum. Ko gila e première république Manori Ba Union créa men dari non Manori Ba Union ko itil fi sous région ko ɗum waɗi si meɗen faala wurnutude ɗum men tambito ha pom. Immortaliser la culture Poulakou et des Foulbé, tel est l'objectif de cette mobilisation à Conakry. Des hommes et des femmes, tous vêtus à la mode Foulbé, sont joyeux de prendre part à ce rendez-vous de l'Union sacrée. Le président de Tabital Poulakou, Jeunesse Internationale, a exprimé ses sentiments de la réussite de l'événement. Tchernoyaya Diallo se fixe des priorités en prenant les destinées de Tabital Poulakou au compte de la jeunesse internationale et de Guinée. C'est avec un réel plaisir et une très grande joie de devenir aujourd'hui officiellement le président de Tabital Poulakou Guinée pour toute la jeunesse de Guinée. Donc on est là pour célébrer cet événement, mais aussi prendre un engagement de développement et de travail avec toute la communauté guinéenne et de toutes les coordinations pour que cette mission-là soit une réussite. Ça, c'est après une longue journée, beaucoup de semaines de préparation que nous sommes arrivés là, donc c'est avec un grand plaisir. C'est un défi énorme. En tant que Tabital Poulakou, président de Tabital Poulakou International d'abord et jeunesse, j'ai discuté avec des Hali Poulard au Sénégal, j'en ai rencontré au Niger, j'ai discuté avec certains au Tchad,
J'ai vu des halepoulards braver la neige et le froid dans les en Europe, en Amérique, pour travailler dignement. Certains sont dans des universités. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de mettre toutes ces opportunités-là autour d'un programme de société prospère, afin qu'on puisse vraiment se mettre au travail, autant pour l'éducation, le développement socio-économique et le bien-être, le bien-vivre. J'ai un engagement de vraiment résoudre le problème de fragilité de notre communauté, de cette société, afin qu'il y ait une unité et qu'on puisse avancer ensemble. Ma priorité, c'est l'unité, la solidarité et le développement. C'est impressionnant. Je me rends compte de plus pourquoi c'est important qu'on puisse s'organiser en tant qu'une communauté. La communauté halepoulard, c'est une communauté travailleuse, mais qui a besoin aujourd'hui d'une unité pour qu'elle puisse avancer. Si vous comprenez bien aujourd'hui, un halepoulard dans les hautes sphères de l'administration, même si elle est guinéenne, c'est un travail d'un combattant. Mais pourquoi toutes les autres communautés s'unissent pour réussir? Il faut qu'il y ait l'union, il faut qu'on puisse réussir. Et vraiment, cette mobilisation dans ce stade du général Lansana Conté démontre encore plus que cette unité existe, mais il faut mieux communiquer, il faut parler avec tous les acteurs afin qu'on encourage les gens à être ensemble pour un meilleur, pour un vivre ensemble beaucoup plus prospère. Donc je m'engage pour ça en tant que président de Tabital pour la jeunesse de Guinée, pour cette réussite et pour ce succès. Des moments de danse, des défilés de mode ont été organisés pour la circonstance. À ce rendez-vous, des Fulbe et halepoulards d'autres pays limitrophes avec la Guinée ont été invités. Des représentants du président de la Guinée-Bissau, Oumarou Cissokho Embalo, ont pris part à la rencontre de Conakry. Oumarou Baylo Bando Diallo a parlé au nom du chef de l'État Bissau guinéen. Min komi mari komi yewtay dun do haray ko atti atti kon e weltanike Allah tagudo en wadi en fulbe e weltanike be organizu be o motondiral no e weltanike kadi lamungun permettu be en okki en tan sécurisé en newnane en hendi den pilaji jidin wadde en cérémonie ji men de weltanike laamu Guine Conakry ngum moja e dun don kadi haray président Guine Bissau Oumarou Cissokho Embalo ko jeyado e haali pular e ngal dengal pular haray bay o humpiti ke ndu muradu gaydi hewtimo tawi o wawata jodade so arali ma o immina ko representamo e nder dengal haali pural ngal Guine Conakry do ko e hore on delegation men ari haray non elaz haray Oumarou Cissokho Embalo ko darani do kadi dengal ngal darani Afrique fow fi ɓurtu e nder aduna on fow haray golleji makko den aduna on no yiwde Guine no yiwde menen kadi meɗen yiwde haray ko jeeyaɗo e haali pular suka dariɗo newiɗo suusuɗo reedu yiiɗuɗo gonga nunduɗo fewɗo yiiɗuɗo leñol mum haray en weltani ke président Elaz Ousmane Salloa Fatako on initiative ɗen hakkille ɗe Allah jonni ɓe si Allah jonni goɗɗo laamu okkaymo hakkille haray on laamu organise gol on mano river union haray ɗum no tawa e hunde ɓurde labede par ce que si en jogodiri en jonnodiri en dankodiri ka suudu o ka yaasi o Allah okkay en doole Allah okkay en feere Allah okkay en pottal are fotten are jogodiren ko are moƴƴodiren hunten haajuji men ɗin haray noon hiɗen welti nde hunde ɗo hari c'est la première fois ko hunde arande sifa ngal mottodiral ɗo ha hande gila min mi mandi haali pular e wowli pular mandaki sifa ngal ɗo mottodiral ko ngal ɗo woni go'o immorde e saabu Alhaji Ousmane Fatako Salloa hiɗen weltaniɓe yo Allah ɓoynuɓe jullere nden haray noon koko fokkitiɗo miɗo wasiyo hoore am wasiyo fulɓe haali pular fof train on fokkiti hoore train nden hucci ɓe ƴawali nder ton ɓe yoger kiilo wota ɓe cik wonɓe nder ton ɓen ta cikko haray ɗum ɗo miɗo wasiyo haali pular fof. Le gouvernement guinéen de transition était également représenté à la rencontre organisée par la coordination nationale des Fulbe et halepoulards de Guinée. Ousmane Gawal Diallo était porteur de messages. Chef de l'État,
ainsi qu'au nom du Premier ministre Bernard Gomou, chef du gouvernement, et le défilé à vous pour accompagner cette initiative culturelle qui concerne une partie de nos concitoyens et que nous venons rehausser pour dire le discours d'unité, de renforcement de l'unité nationale, de cohésion et de paix, toutes choses qui sont indispensables pour conduire bien la transition, pour permettre aussi une bonne transition et une bonne sortie de la transition. Donc rappeler aussi aux uns et aux autres, si hier ils se sentaient marginalisés, aujourd'hui ils ont retrouvé pleinement leur place dans la République grâce à la volonté du président de la transition. Et aussi dire que le président de la transition traite l'ensemble des fils de ce pays de la même manière et que chacun retrouvera dans la dignité, dans l'unité, la place qui est la sienne dans notre pays. Et donc, rappeler ça et dire qu'il est attentif aussi aux efforts des uns et des autres qui travaillent pour renforcer cette unité nationale, pour renforcer la paix et la cohésion de notre pays. Voilà l'essentiel du message que je suis venu porter ici au nom du chef de l'État et au nom du Premier ministre Bernard Gomou. Mais écoutez, on se sent à l'aise, absolument. Non, on se sent à l'aise parfaitement bien. D'abord, moi, j'ai la double appartenance de cette communauté, mais aussi de la communauté mandingue, et aussi d'être du côté de l'exécutif aujourd'hui et de côtoyer des gens avec lesquels j'ai parcouru un très long moment dans l'opposition. Donc, je pars parfaitement à l'aise et je sais aussi un peu les soucis que les uns et les autres ont eus. Et c'est pour ça que moi-même, je me réjouis de cette attention particulière du chef de l'État pour dire à nos compatriotes que la Guinée est un pays qu'on a en partage et qu'il incombe à chacun d'entre nous de travailler pour sa cohésion, pour son unité et pour son développement. Le sens que moi je donne à ces coordinations, l'importance qu'elles peuvent dégager aux yeux des autorités, aux yeux du peuple de Guinée, c'est si elles s'impliquent dans le renforcement de cette unité, de cette solidarité indispensable pour notre pays. Elles doivent être des filets d'échange, des filets de cohésion, de filets d'harmonie pour faire en sorte que chaque Guinéen, où qu'il soit, se sente pleinement citoyen et partageant les valeurs de la République. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Que jamais quelqu'un ne se sente étranger, où qu'il soit sur le territoire national, c'est une idée guinéenne. Et comme vous le savez, le président de la transition, en plus de vouloir prévoir cela, mais aussi, il a été un légionnaire, c'est quelqu'un qui accepte de se battre pour un idéal, pas seulement pour son pays, et donc c'est quelque chose qui a un sens et un discours pour lui. Et donc la Guinée, c'est notre Guinée, et c'est ça qu'il veut qu'on transmette à chaque fois, à chaque message, à chaque discours. Elhaj Ousmane Fatako Balde, Sanloa, Etienne Yaya Diallo, respectivement président de la Coordination Nationale des Fulbe et Hali Poulard de Guinée et président de Tabital Poulakou Jeunesse Internationale, seront couronnés dans les jours suivants pour être à la tête de leur organisation.